Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi, le Christ resplendira. Comment vivre aujourd'hui l'espérance de Pâques, alors qu'à cause de ce virus traîne dans le fond de l'air la lourde ambiance de Vendredi Saint? N'est-ce pas en faisant mémoire de cette vérité si vaste, si profonde, de cette vérité qui porte en elle toute la fascinante et l'angoissante complexité du monde? Oui, pour que notre discernement soit éclairé, pour que notre cœur soit affermi, réactivons dans notre mémoire cette vérité. À la croix, l'amour a étendu les bras. À Pâques, la mort a baissé les bras. Et toute existence, se reçoit de cette offrande où la mort est abolie par l'amour. Aujourd'hui, jour de Pâques, la pandémie a beau traîner et laisser dans le fond de l'air une ambiance lourde de Vendredi Saint. Aujourd'hui, jour de Pâques, nous avons confiance. Car sur notre misère se lève sa miséricorde, sa vérité confond nos mensonges, sa liberté surgit au cœur de nos prisons, et face à nos lâchetés se révèle sa force. Aujourd'hui, jour de Pâques, nous avons confiance. Le dernier mot qui sera prononcé sur notre vie ne sera pas le nôtre. La dernière parole qui sera prononcée sur notre vie ne sera pas la nôtre, mais ce sera la sienne, et ce sera une parole de grâce. Alors, aujourd'hui, jour de Pâques, alléluia, chantons, car nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous raconterons les merveilles de Dieu. Je vous invite à la prière. Parole du psalmiste. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Heureux qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Christ, tu as ouvert le chemin de la vie. Christ, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu l'enfer. Tu as délivré les enchaînés. Christ, par toi,
la mort est la porte de la vie. Par toi, les ténèbres deviennent lumière. Christ, tu es en nous vivant, vainqueur, tu es notre sauveur. Tu nous as ouvert le chemin de la vie. Nous voici pour te suivre aujourd'hui. Amen. De la joie de Pâques que les années précédentes. Souvent, nous avons chanté l'aube de Pâques comme le plein midi et nous avons donné nos voix à la victoire plus qu'à la joie. Qu'avons-nous alors compris de la peur des disciples et de leur retournement quand cette question les a saisis au bord d'un tombeau vide? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? C'est une question qui n'a pas fini de donner l'écho de sa vérité jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi cherchons-nous le vivant parmi les morts? Je nous invite à la prière. Seigneur, en ce matin de Pâques, nous venons à toi avec le poids de nos ombres et l'aveuglement de nos lumières. Seigneur, combien de fois nos réponses sur toi ont comblé la source de l'espérance. Seigneur, combien de fois nous avons préféré ton silence à ton appel et le confort de nos tombeaux à tes chemins de liberté. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, délivre-nous. Amen. ای نام تو بهترین سراغات
در اوج فروتنی سرافراز، من شاعر دلبسته دیار کسی که سلطان جهانم است ولی کاخ ندارد. انگشت ترک خورده زیاد است ولی که دستان کسی مثل تو سوراخ ندارد. از دست خداوند. Ce matin, comme au premier matin de Pâques, Dieu nous fait passer nos peurs comme on passe des portes, vers une joie que nous devinons à peine, pour un chemin que nous ne connaissons pas encore. En Christ, Dieu nous relève de la mort. Par Christ, il fait sortir de nos confinements la foi, l'espérance et l'amour trempés d'une lumière nouvelle. Chaque matin, réveillons-nous dans cette parole de celui qui a dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Amen. شنبه به هر حال گذشت. یک شنبه صبح زود مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به سر قبر رفتند. ناگهان زمین لرزه شدیدی رخ داد، زیرا یکی از فرشتگان خداوند از آسمان پایین آمد، به سوی سنگ قبر رفت و آن را به کناری افکند و بر آن نشست. صورت فرشته می درخشید و لباسش مثل برف سپید بود. نگهبانان با دیدن او به شدت ترسیده و لرزان شدند و همچون مرده بی حرکت بر زمین افتادند. فرشته به زنان گفت نترسید، می دانم به دنبال عیسای مصلوب می گردید. او اینجا نیست، همانطور که خودش گفته بود زنده شده است. جلو بیایید و جایی که جسد او را گذاشته بودند به چشم خود ببینید. Ce matin, on peut entendre la volonté de Dieu pour nos vies à travers ces paroles du poète Rilke. Efforcez-vous d'aimer vos questions elles-mêmes. Chacune comme une pièce qui vous serait fermée, comme un livre écrit dans une langue étrangère. Ne cherchez pas pour le moment des réponses qui ne peuvent vous être apportées parce que vous ne sauriez pas les mettre en pratique, les vivre. Et il s'agit précisément de tout vivre. Ne vivez pour l'instant que vos questions, peut-être simplement en les vivant. Finirez-vous par entrer insensiblement un jour dans les réponses. Amen. Je vous invite maintenant à chanter le cantique « Le Sauveur est ressuscité », les strophes 1, 2 et 3. Les paroles vont s'afficher sur l'écran. Et si chez vous, vous avez un cantique, eh bien c'est le numéro 473 dans le recueil « Arc-en-ciel » ou bien le numéro 34-13 dans le recueil Alléluia. Le Sauveur est ressuscité. Musique.
Chers frères et sœurs, avant de lire un passage de la Bible qui nourrira notre méditation en ce dimanche de Pâques, prenons un temps pour la prière. Éternel, toi qui, par ton esprit, rassemble les croyances en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent, et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. C'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, que je vais vous lire les versets 13 à 22. Au début de cet Évangile de Jean, au chapitre 2, à partir du verset 13, nous apprenons ceci. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les bœufs et les brebis. Il dispersa la monnaie des changeurs, il renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours, je le ressusciterai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le ressusciteras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Chers frères et sœurs, ce dimanche de Pâques a ceci de particulier qu'il nous met dans la situation des disciples de Jésus. Cette année, Pâques ne sera pas seulement une affaire intellectuelle, une sorte de réflexion métaphysique sur la vie et sur l'au-delà de la vie biologique. En ce dimanche de Pâques, nous sommes comme en ce premier jour du Seigneur. Vous êtes, comme les disciples, enfermés chez vous, dans la crainte, dans une ambiance marquée fortement par la présence de la mort. Et le temple est vide, comme l'était le tombeau de Jésus, manière pour les évangélistes de dire que la vie, ce n'est pas là qu'elle se joue. L'avenir, ce n'est pas là qu'il se forge. Aujourd'hui, ce temple ressemble étrangement à ce tombeau vide. Et nous pourrions nous souvenir de ce que disait l'architecte Rudy Ricciotti, lorsqu'il regardait cet intérieur du haut de la chaire, il disait ceci, « L'architecture n'est pas fantastique ici, mais elle a une dignité. Ce qui fait sa dignité, c'est le sursaut de la délicatesse avant la disparition du signe. » Le sursaut de la délicatesse avant la disparition du signe. Cette petite frise qui court tout le long des tribunes, un sursaut avant la disparition du signe. C'est cela que j'aimerais voir avec vous ce dimanche de Pâques. Le sursaut de délicatesse avant la disparition du signe. Au niveau personnel, au niveau social et au niveau de l'Église. Commençons par le plus important, vous. Chacun de vous. Chacun de nous. Chacun est éprouvé
même si sa période de confinement se passe peut-être bien? Comment pourrions-nous bien aller alors que tant de gens vont mal et qu'il y a déjà eu tant de morts? Le plus grand problème auquel nous sommes confrontés n'est pas de trouver des occupations pour passer le temps. Le vrai problème, c'est cette ambiance proprement mortelle qui plane comme elle planait autour des disciples au moment de Pâques. C'est une période de deuil pour beaucoup. C'est la peur d'être touché par le virus dont nous avons tant de mal à enrayer la propagation. C'est l'incertitude pour la suite, aussi bien sur le plan de la santé que sur le plan du travail, à la fois l'emploi et les ressources financières pour tenir nos engagements ou tout simplement pour avoir le minimum vital. Ce que nous ressentons et dont nous ne parlons pas trop autour de nous, c'est de la peur que le monde se défasse. Et cela vient de l'expression forgée par Albert Camus. Les personnels soignants ont été qualifiés de héros à juste titre. Mais pensons à ce que cela signifie pour eux. Pensons à quel point c'est lourd à porter. Terriblement lourd à porter. On pense qu'il faut être fort pour tout le monde. Dur à la tâche, dur à la peine. Alors qu'en vérité, nous sommes toutes et tous des êtres particulièrement vulnérables. C'est ce que nous ne pouvons pas cacher actuellement. C'est ce qui nous vient à la figure de façon extrêmement violente, comme un coup de fouet que nous recevons. Si les chrétiens fêtent la résurrection, c'est parce qu'il y a eu le Vendredi Saint, la mort de Jésus sur une croix. Même Jésus est mort. Il n'a rien pu faire pour empêcher cela. Dieu n'a rien pu faire pour empêcher cela, pour autant que nous ayons une vision anthropomorphique de Dieu. En conséquence, n'espérons pas être plus malins et pouvoir échapper au risque d'une situation sanitaire comme celle-ci. Il est tout à fait illusoire de penser qu'il ne nous arrivera rien, au prétexte que nous serions de bons croyants, par exemple. Le Vendredi Saint, c'est la révélation que Dieu n'est pas tout-puissant et que nous ne le sommes pas non plus par conséquent. Cela implique que nous soyons donc particulièrement responsables pour nous-mêmes et pour les autres. Mais c'est de sursaut que je veux vous parler aujourd'hui. Car l'histoire ne s'arrête pas au Vendredi Saint, de même qu'elle ne s'arrête pas au confinement des disciples qui ont peur, eux aussi, de mourir. Pâques est un sursaut de délicatesse qui fait la dignité humaine. Alors, vous me direz, Jésus ne fait pas vraiment dans la délicatesse dans cet épisode raconté par l'évangéliste Jean. Effectivement, lorsque Jésus fait le ménage, il semble que ce ne soit pas avec la plus grande délicatesse qui soit. Mais ce n'est pas là qu'est le sursaut. Le coup de fouet, comme je vous l'ai déjà fait entendre, les tables renversées, disent la violence de la mort. Le sursaut vient du fait que le temple est désormais libéré de toutes ces personnes qui servaient d'intermédiaires à la vie spirituelle, des intermédiaires entre les individus et Dieu. Fini le temps de la vie spirituelle par procuration. Désormais, chacun se tiendra face à Dieu, directement. Concrètement, en considérant que Dieu désigne ce qui a un caractère absolument vivable, cela signifie que nul ne doit s'en remettre à un autre pour décider de ce qui est le plus important dans sa vie. Quel que soit votre âge, quel que soit votre statut social, quelles que soient vos origines, quelle que soit votre activité, vous êtes digne de vous tenir directement face à Dieu. C'est-à-dire de donner à votre vie l'orientation qui a le plus de sens pour vous. Vous êtes libre de faire vos choix, ce qui implique de s'éduquer, de s'informer, de faire preuve d'esprit critique. Je le répète, cela vaut quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition. Il est là le sursaut de dignité offert par Jésus qui fait le ménage dans le temple. Il est là le sursaut de dignité offert par Jésus
qui est tout entier traversé par ce processus de mort et de résurrection. Même si nous sommes comme terrassés, même si les circonstances ont tendance à nous réduire à pas grand-chose, la puissance de résurrection nous est permise. Elle nous est permise pour relever notre dignité. Il est là, le premier sursaut de délicatesse sur lequel je voulais attirer votre attention. Et c'est ce changement de perspective au niveau personnel qui pourra permettre un sursaut également au niveau social, au niveau de nos sociétés humaines. L'heure semble venue de proposer de nouveaux modèles économiques, de nouveaux modèles de vie que nous devrons mettre en place, sous-entendu, pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Certainement, il est précieux de saisir ce temps de crise pour changer ce qui ne fonctionnait pas. Mais est-ce que Jésus a remplacé les marchands du temple par d'autres marchands du temple? Est-ce que Jésus a remplacé les biens de consommation spirituelle par d'autres biens de consommation spirituelle? Cela aurait finalement consisté à remplacer des idoles par d'autres idoles. Alors non, Jésus n'a pas agi de la sorte. Et c'est là un risque que nous courons. Les modèles économiques peuvent être véritablement les idoles modernes qui font passer les personnes, les relations entre les êtres vivants, après les organisations, après les structures. Dans la mesure où nous devrions nous conformer à un modèle donné, nous perdrions notre dignité d'homme libre. N'oublions pas que c'est le Shabbat, que c'est la loi, les structures, les organisations qui sont faites pour l'homme, et pas l'inverse. Alors, d'un point de vue théologique, remplacer un modèle basé sur la croissance par un modèle basé sur la décroissance, cela reste toujours une idolâtrie. Remplacer un modèle néolibéral par un modèle socialiste, cela reste toujours une idolâtrie. Faire du processus mort et résurrection un modèle auquel nous devrions nous conformer, auquel nous devrions nous soumettre, serait la même faute, idolâtre. Cela consisterait à imposer de casser des secteurs d'activité. Cela consisterait à imposer de mettre fin autoritairement à des entreprises, de fermer des sites de travail, au prétexte qu'il faut qu'il y ait de la mort pour qu'il y ait de la résurrection, pour qu'il y ait de la création d'emplois. En constatant qu'il y a et qu'il y aura toujours de la destruction dans le monde du travail, qu'il y a des métiers qui meurent, il n'est pas question d'imposer aveuglément des cessations d'activité pour créer de l'emploi. Il s'agit de prendre conscience que la mort d'un secteur d'activité, je pense par exemple au métier de maréchal ferrant, qui n'existe plus vraiment de nos jours, eh bien, la mort d'un secteur d'activité est suivie par la création de nouveaux métiers qui jusque-là n'existaient pas. Et cela ne se détermine pas à l'avance. Cela ne se planifie pas. C'est comme dans les relations interpersonnelles. On ne peut pas décider qu'il faut mettre fin à une amitié comme cela, aveuglément, en se disant qu'on retrouvera 10 autres amitiés comme cela, par hasard ou par la sainte providence de Dieu. Ce sont les individus ressuscités dans leur dignité qui sont capables d'inventer de nouveaux métiers, de nouvelles organisations, de nouvelles façons de vivre, ce qui permettra des sursauts au niveau d'une société. Quant à ceux qui rêvent d'un état-providence, qu'ils fassent donc un peu de théologie, puisque la providence est un thème théologique. S'ils pensent qu'un état-providence est capable d'éviter les pandémies, les catastrophes climatiques, le chômage de masse, les dépressions collectives, le malheur et le deuil, qu'ils relisent donc les récits de la Passion. Même Dieu ne peut pas empêcher cela. Se fier à un état-providence serait aussi idolâtre qu'un retour à une situation où le temple cesse d'être le lieu de Dieu, c'est-à-dire le lieu de la confrontation avec ce qui a un caractère ultime dans notre existence. Ce moment où le temple devient un lieu de commerce,
où l'on négocie les modèles économiques, les modèles politiques et évidemment les places qui vont avec. Le sursaut de dignité d'une société, la Pâque d'une société, passe par la mort des modèles en tout genre et par la résurrection des initiatives individuelles qui engendreront de nouvelles communions, de nouvelles coopérations, une véritable fraternité qu'en termes non théologiques, nous pourrions appeler de la solidarité. J'en viens au troisième sursaut, le sursaut de l'Église, qui n'est pas de malentendu, comme il peut y en avoir dans le récit de l'Évangile de Jean entre Jésus et ses interlocuteurs. Quand je pense Église, je ne pense pas à Église particulière, encore moins à bâtiment. J'espère bien que ce temple qui a 150 ans cette année sera encore en fonction dans 150 ans, mais pas en raison d'un fétichisme qui n'a rien à voir en christianisme. Cet espoir tient au fait qu'un temple est là pour offrir au monde le signe qu'il est toujours possible de transcender notre condition. Nous avons besoin de temples qui affirment publiquement cette vérité. Il est toujours possible de transcender notre condition. Mais ce n'est pas notre sujet pour l'heure. Le sujet, c'est l'Église dans la perspective chrétienne. Et l'Église dans la perspective chrétienne, c'est le corps de Jésus, le corps spirituel, ce corps qui surgit à partir de Pâques. L'Église, c'est nous tous, par-delà nos particularismes religieux, par-delà les singularités de nos rites et de nos expressions religieuses. L'Église, c'est nous tous, par-delà la question de l'appartenance à une institution particulière. C'est nous tous directement face à Dieu, directement face à ce qui a un caractère sacré dans notre histoire. Voyez comme cela transcende largement nos affiliations particulières. Nous sommes l'Église invisible et nous en prenons certainement d'autant plus conscience actuellement dans cette situation si particulière où nous ne pouvons pas manifester le rassemblement de l'Église. Mais nous sentons bien qu'il y a pourtant des communions qui existent par-delà les distances géographiques. L'Église véritable, c'est cette Église-là, alors même que nous ne sommes pas rassemblés dans un même lieu, dans cet édifice qui n'a rien de particulièrement sacré, mais qui nous rappelle ce sursaut de la délicatesse avant la disparition du signe. Au fond, nous pourrions tous nous contenter de cette situation et nous laisser aller à cette nouvelle situation dont, inévitablement, nous trouverons bien des avantages. Dans quelques instants, nous serons invités à célébrer la scène d'une manière inhabituelle. Alors que nous subissons tous ce qui nous arrive depuis plusieurs semaines, nous aurons là l'occasion d'une communion qui, elle, ne sera pas subie, car nous choisissons librement de nous associer à cette célébration. Mais cette communion est bien insuffisante en vérité, comme notre façon de faire Église à travers tous ces moyens de communication, utiles, mais très insuffisants. Car l'Église, la véritable Église, le corps abattu et ressuscité de Jésus-Christ, ce n'est pas cette gentille communion avec le pasteur qu'on aime bien, ce n'est pas la consultation des sites qui nous plaisent parce qu'ils distribuent les contenus avec lesquels nous sommes d'accord. La véritable Église, c'est le corps du Christ Jésus, peut-être supplicié, mais ressuscité. C'est la famille spirituelle de Dieu, peut-être abattue, mais ressuscitée. Et pour le dire clairement, la véritable Église spirituelle, le véritable corps de Jésus, c'est ce rassemblement des personnes que nous n'avons pas choisies, mais qui sont là habituellement, et qui injectent de l'altérité dans notre vie. L'Église, c'est tout à la fois les gens qui me plaisent et ceux que je ne supporte pas. L'Église, c'est l'humanité véritable,
et non la communauté fantasmée des gens avec lesquels je me sens bien, avec lesquels tout est positif, ou alors ces gentilles institutions qui font du divertissement en utilisant les mots du vocabulaire théologique. En faisant le ménage dans le temple, Jésus chasse tous les intermédiaires, tous les médias qui font écran à la proximité des uns avec les autres. Et notamment avec ceux que je n'ai pas choisis, et qui sont pourtant bel et bien mes frères et sœurs, celles et ceux qui sont mon prochain. Non pas un prochain que je choisis sur catalogue, non pas un prochain que je choisis en consultant les sites ou en vérifiant les liens que m'ont passé les amis. Non, celui qui s'approche de moi, celui que je n'ai pas appelé de mes voeux, mais dans lequel je vais pouvoir reconnaître un frère ou une sœur. Ainsi, le sursaut au niveau de l'Église nous permet de prendre conscience que non seulement ce confinement prendra fin, c'est une évidence, mais que nous aurons l'occasion d'éprouver notre humanité d'une manière encore plus intense que jamais. Notre Pâques consiste à laisser quelques modèles de vie et d'organisation mourir de leur propre mort pour que ressuscite cette responsabilité individuelle, notre responsabilité individuelle, qui permettra de relever tous ceux que cette situation a détruits. Avec d'autres, nous répondrons comme répondent les personnages bibliques auxquels l'appel de la vie est lancé. Nous dirons, nous aussi, me voici. Amen. Semaines, nous n'avons plus la possibilité de nous retrouver physiquement pour le culte et cela nous manque terriblement. Mais notre Église reste vivante et continue à tisser des liens. Chacun a à cœur de prendre des nouvelles des uns et des autres par téléphone ou par courriel. On prie dans son cœur et l'on porte les personnes en souffrance, celles pour lesquelles nous nous faisons du souci, le personnel soignant et toutes les personnes de l'ombre qui permettent que la vie continue malgré tout. Au niveau plus institutionnel, les pasteurs et les conseillers presbytéraux ou de secteur sont toujours présents. Un culte est enregistré chaque semaine et le site est mis à jour très régulièrement. Vous recevez désormais 2 lettres d'information par semaine avec du grain à moudre et de quoi nous nourrir. Merci à tous ceux qui rendent cela possible. Concernant notre Assemblée générale, initialement prévue le 28 mars, elle a été bien entendu reportée. Un certain nombre de documents sont disponibles sur le site. Lisez-les. Par ailleurs, le CP vous fait part du communiqué suivant. Une ordonnance du 25 mars 2020, numéro 2020-318, prévoit que les associations qui auraient dû faire approuver leur compte 2019 par leur Assemblée générale au plus tard le 30 juin 2020 auront jusqu'au 30 septembre 2020 pour organiser cette Assemblée générale. C'est donc en conformité avec cette ordonnance que le Conseil presbytéral convoquera l'Assemblée générale de l'ACPUMA quand la situation la rendra possible. C'est maintenant le moment de l'offrande. Non, ne riez pas, je suis très sérieuse.
Notre Église ne vit que de dons. Aujourd'hui, on innove. Pas de bourse ou de panier connecté. Non, nous faisons tous un don en ligne sur le compte d'un des 4 secteurs. Tous les renseignements sont sur le site où vous pouvez demander à un conseiller. Si vous n'en avez pas la possibilité, merci d'envoyer un chèque à votre trésorier préféré. Et n'oublions pas que notre offrande couvre 5 dimanches si nous ne nous sommes pas manifestés depuis le début de ce confinement. Et en particulier, aujourd'hui, où nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité. Frères et sœurs, voici le moment de célébrer la scène. Tous ensemble, où que nous soyons, nous vous invitons à partager ce moment. Seigneur, nous te louons parce que tu nous aimes et que nous sommes tes enfants. Nous te louons pour le Christ vivant au milieu de nous. Nous te louons pour l'Esprit Saint qui nous rassemble malgré ce confinement. Tu nous rappelles ainsi que aujourd'hui, demain, la vie est toujours possible, tous ensemble. Oui, nous te louons pour ce jour, pour ce moment, qui nous fait entrer dans la joie de ton royaume. Et nous chantons ta gloire. Alléluia. Et nous vous invitons à chanter la première strophe du cantique 581, la première strophe. Thank you.
dernier repas que Jésus prit avec ses disciples, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Unissons-nous dans la prière. Comme les épis jadis séparent dans les campagnes et comme les grappes autrefois dispersées sur les collines sont maintenant réunies sur cette table, dans ce pain, dans ce vin, qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton règne de paix, de justice et d'amour. C'est l'espérance qui traverse cette prière que Jésus a enseignée autrefois à ses disciples, cette prière que nous disons en communion avec tous les membres de ton peuple. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Chantons maintenant la deuxième strophe du cantique 581. Chers frères et sœurs, nous partageons tous une même situation de confinement. Nous subissons tous dans nos demeures ce sentiment de vulnérabilité et d'impuissance. Aujourd'hui, nous est donnée cette chance d'être acteurs dans la communion fraternelle en partageant ce pain et ce vin. Le pain que nous partageons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été rompu pour nous. La coupe pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le sang de l'Alliance répandu pour la multitude, pour le pardon de tous. Thank you.
Seigneur, nous te rendons grâce pour la simplicité de ce repas. Nous te rendons grâce pour la simplicité de ta présence en Jésus-Christ. À nous qui avons la nourriture, donne faim et soif de paix, de justice et d'amour. Amen. Prions. Seigneur, ta mort est devenue passage. Passage pour une vie libérée. Mais Seigneur, nous avons peur. Peur de la liberté. Peur de cette nouvelle vie qui bouscule tout en nous. Particulièrement dans ces temps-ci de crise sanitaire, où déjà beaucoup de choses sont bousculées en nous. Oui, Seigneur, donne-nous d'ouvrir nos cœurs à cette vie que tu nous proposes. Seigneur, nous t'en prions que ce jour soit notre libération. Fais-nous la grâce de reconnaître que tu es vivant. Oui, Seigneur, apparais-nous comme tu es apparu aux femmes, aux disciples. Appelle-nous, chacun par son nom, pour que nos yeux te reconnaissent comme celui qui a vaincu toutes les morts. Mon Seigneur et mon Dieu, que ce soit Pâques pour nous tous, pour tous ceux qui nous sont chers, tous ceux qui sont dans la détresse, dans l'angoisse, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades. Seigneur, que ce soit Pâques pour toute la création. Amen. Thank you.
jaillit du vide du tombeau. C'est la voix source qui crie notre nom par-dessus l'abîme de la mort. Alors, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, afin que vous, nous tous, nous débordions d'espérance par la puissance et le dynamisme de l'Esprit. Amen. Bon dimanche !